coucou tout le monde. Bon, c'est pour un petit peu de blabla parce que j'ai fait quatre couleurs. Il m'en reste encore trois. Là, il est jaune, là, il est bien blanc. Il est plus blanc. Mais il y a une différence de couleur. Ça, c'est la vanille, ça aussi, mais lui, il est plus jaune. Donc, j'ai fait quatre couleurs, le rose, orange, marron et crème, je dirais. Voilà. Il me reste du rouge fuchsia, ouais, un peu transparent. Donc, le blanc. Vanille et puis bleu ciel. Donc je vais couper ce qu'il me faut. Donc là j'en ai fait 4, j'en fais 4 de chaque. Comme ça en fait 8 quand on les plie. C'est correct. Donc il faut que j'en fasse encore 8 de 8 cm. Alors, c'est pas marrant. Je mesure le premier, puis après, je me base sur le premier. Ouais, j'ai fait un coup de pas bien, moi. Coup de pas bien, et j'étais vraiment pas bien du tout, hein. J'emmenais pas large. J'étais vraiment un peu paniquée, disons. C'est pas souvent que ça m'arrive des hausses de tension comme ça, mais là il y avait le cœur qui déconnait, le bras gauche qui faisait mal. Enfin bon, tout pour plaire quoi. Là, j'ai le total. Voilà. J'ai la totalité de ce qu'il me faut. Reste plus qu'à les en coller. Mais alors, je peux plus. J'ai les mains qui suivent plus. Ça va, la tension est redescendue à 11, 11,7, je crois. Donc, heureusement que j'avais les médicaments qu'il fallait. Même si c'était périmé, au moins, j'ai eu quelque chose pour calmer. Ça a fonctionné. Mais là, heureusement que je maîtrise parce que. Ça m'est déjà arrivé. Bon, j'ai rien dit à personne, mais voilà quoi, j'ai déjà eu des malaises comme ça. Et là, je dis à ma mère, bah, elle voulait m'emmener aux urgences. J'ai dit, attends, c'est pas la peine. Si je vais prendre quelque chose, j'ai ce qu'il faut pour baisser la tension. On va voir. Et puis effectivement, ça a bien baissé quoi. Ça a baissé d'abord à 14, puis après à 12, puis à 11. Donc ça a bien régulé le tout. Ouais, j'ai eu chaud. Je téléphone pour avoir un rendez-vous avec le cardiologue, pas avant le 1er décembre. Faut pas faire de malaise, hein. C'est un peu du n'importe quoi.
avant, bah alors. Enfin bon. On va mettre un peu de soleil dans la place. Un peu de lumière. Il fait 26,7 là dans la pièce. Là, je viens juste pour me réchauffer les os. C'est encore là que je suis le mieux. Donc, les pistils, comment vous les trouvez? Ah, c'est long à faire, mais satisfaisant, franchement. Ah, faudrait que j'essaye avec la maïzena. J'ai oublié de la ramener. Bon, ça sera pour la prochaine fois. De toute façon, là, je vais faire que du blabla. J'ai réuni tout ce qu'il fallait, donc il faut à peu près que je fasse le double. Après, je laisserai les bougies ici. Je vais les mettre sur l'étagère. Comme ça, si j'ai besoin de pistil, je vais en faire. Je me rappelle plus si j'avais pas du rouge en bougie chauffe plat, je sais plus, faut que je regarde derrière, je peux pas, pratiquement pas ouvrir la porte, c'est embêtant. Ah, voilà quoi. Pardon, c'est le café. Ah oui, je me suis bu un café parce que j'ai besoin de me détendre. Je sais que c'est pas bon pour la tension, mais ça va, et comme elle est revenue à la normale, je fais attention de pas m'énerver parce que je me suis énervée en fait sur la vidéo qui voulait pas se monter. Je me suis énervée. J'aurais pas dû m'énerver. Des fois, il suffit d'un rien. J'ai pas vapoté beaucoup, du coup, hein. Mais bon, ça va mieux, c'est le principal. Ouais, j'ai eu chaud. Un peu plus si j'atterrissais en cardiologie.
Ça fait comment quand on les plie? Je vais prendre les roses par exemple. Par exemple. Deux roses. J'arrive à l'attraper. Deux roses. Je les rassemble. Je les mets en double. En double, j'ai dit. Oh, ça fait pas mal. C'est un exemple. Mais j'ai pas de bol en ce moment. Alors, la prochaine fois, j'irai directement aux urgences parce que ça serait pas normal. Ça recommence à déconner. Ouais. Fais des choses tranquilles, tranquillement. Moi, j'ai été faire un tour sur AliExpress, sur Love in Art. J'ai vu des belles choses. Voilà quoi. La curatrice qui est partie de l'association. Donc je me retrouve avec une autre curatrice. J'ai pas retenu le nom. Dès que tu as fait le concerto. Ma mère m'a acheté un spray de produits, j'arrive pas à l'ouvrir. Alors c'est un peu bête. J'ai pas de force dans les mains. Donc j'ai pas de force dans les doigts. Je suis on met à plat quoi. Après ça
carrément à immobiliser mon bras parce que j'arrivais plus, j'arrivais même plus à me tenir. Là, je suis penchée. Non, mais c'est normal. J'ai la main qui tient, qui me tient à la table. D'ailleurs, je fais bouger le téléphone. De l'autre côté, j'ai la cigarette électronique que je pose sur la table. Donc, ça fait pencher. Voilà. C'est pas fait. Voilà, je suis droite. Je suis pas penchée tout le temps. J'ai les jambes croisées, je suis détendue. Enfin, je crois être détendue parce que j'ai un point toujours dans la poitrine. Donc, je fais attention. Après, il faut que je regarde si je peux ouvrir ce fichu produit. Prise de tête, je sais même pas s'il faut tirer la languette, s'il faut la pousser. Si... Pardon, c'est le café. Désolé. Bon, je ferais bien les pistils, moi. Vous êtes d'accord avec moi? Baisse un peu la caméra. Enfin, le téléphone. Normalement, là, ça devrait être bon. C'est les pistils là. On va mettre le fil de téléphone là. Je vais les entrôler déjà. Ce sera déjà ça de fait. Il y a de la colle là qui gêne. Kira, tu me fiches la paix, s'il te plaît. Alors, un par un. J'ai dit un par un. On va jouer du pistil.
que ce sera déjà cette fée. Pas se mettre 3 celui-là. J'essaie de les mettre le plus droit possible. Excusez-moi, j'ai eu un hachette dans la gorge. Ce qui est bien, c'est que je peux mettre les écouteurs, je peux charger mon téléphone. D'ailleurs, je sais même pas combien il est. C'est pas grave, j'ai fait que ça de le charger. Et bah oui, s'il veut bien me lâcher. Hop là, on va enlever la colle. Voilà. Comme ça, il n'y aura plus qu'à. Je vous relève. Attention. Voilà. Ouais, il y a tout qui se. Il faudrait que je trouve une petite boîte pour les mettre. Une petite boîte. Je sais pas trop. Ou alors je les mets ça là. Ou alors je les mets là-dedans. Espérons que je ne renverse pas. Ça fait du bien de retrouver ses ongles parce qu'au moins on peut enlever la colle. Il y en a partout. Enfin bon, ça c'est fait. Ah, il me faut des bougies chauffe-plat. Au moins une. Oh, je vais prendre celle-là. Hop. Parce que celle-là est fichue. Je vais commencer donc par le bleu. Voilà, à chaque fois, j'en fais 4. Je vais voir si. Si dans 5 minutes ça va mieux, je continue. Je vais déjà le faire chauffer au cas où. C'est pas grave si j'en ai plein des bougies chauffe-plat. C'est pas grave si j'en utilise une. Je vais trier les couleurs là pendant que j'y suis. Alors, il
les roses. Voilà. Les crèmes. Voilà. Celui-ci. Hop, hop. Les deux couleurs différentes. Il y a du marron clair et du orange. Orange clair. Les unes à côté des autres. C'est mieux que ma méthode avec les perles. C'est moins ennuyant, plus facile à faire. Puis comme j'ai beaucoup de photos fortes, je crois que j'en ai encore deux en plus. Ça moi j'adore les photos fortes, donc et puis là j'ai pu mettre toute la cire, j'en ai retrouvé de la marron là, marron orangé. Mais je vais faire un max de blanc. À la prochaine coupure, je vais chercher la maïzena. Je vais faire un truc à la maïzena, ça fait briller. Ça fait des... comme si c'était des nacrés. Enfin, je vais prendre ça parce qu'ils utilisent autre chose, mais je sais pas si c'est pas de la poudre d'aloe vera. Ce que je comprends pas puisque c'est pas français. C'est soit russe, soit quelque chose comme ça. J'ai vu une méthode plus facile pour en coller les fils. Prendre des fils plus fins. J'en ai, oui. Mais bon, c'est mieux ce genre. En fait, faudrait un cadre. Faudrait que je me monte le 4 quai des fées, entourer la ficelle et puis badigeonner de colle en fait. Vous pouvez même teinter la colle. Donc c'est assez intéressant. Bon là c'est facile, ça tient tout seul maintenant, c'est rigide. Et ça tape, non mais ils ont aucun respect, je suis fatiguée de ce bruit. Le bol, j'attends que ça fonde, ça fait du bleu ciel.
fait allumer les autres bougies. Je sens que de toute façon le blanc il va mettre. Il faudrait que je nettoie. Essayer de nettoyer. Ce que j'ai pu. Après, il faudrait que je fasse fondre le contour. J'essaye. Le problème, c'est que ça... Ça va faire des taches noirâtres. Ça fonctionne. La flamme qui lèche les parois, puisqu'il n'y a que le milieu qui fond. Bon, je vais m'arrêter là, j'ai mal aux yeux là. Regardez la flamme. Et puis la petite aussi, la petite rouge. Ça, ils vont fondre. Alors là, ça dit quoi? Ça dit je fonds. Ah, j'ai poussé jusqu'au bout. Ils font, ils font. Pardon, c'est le café. Une gouttelette bleue. Et ça fait chaud là. Oh, je vais me décaler. Je vais en profiter, hein. J'ai la main gauche libre. Je vais vous baisser un peu. Parce que là, je suis en train de... jouer toute seule. Voilà. Donc je plonge et je relève. J'attends que ça durcisse. Et je plonge et je relève. Là, elle n'est pas tout à fait bien formée. Mais bizarrement j'attends, je plonge et je relève. J'attends bien sagement avant de le retourner. Ouais, c'est bon, je plonge et je relève. Il y a une goutte qui s'est formée. Marche bien le bleu. Bon, faut que ça... Non mais j'ai la bougie qui me chauffe là.
Oui, un de ces bruits. C'est du vent. Il n'est pas encore assez gros. Ça devrait le faire là. Bon, attends, je vais me réguler de la chaleur parce que. On est obligé de le tenir tant que c'est pas refroidi. Bon, du coup, je mets là. Et il veut pas pour l'instant. La coque, petite boule qui se forme. Je vais couper ce fil parce que c'est gênant. Ouais, il veut pas pour l'instant. Ah, ça commence. Tout doucement. On se voit pas ça. Je vais faire l'autre côté, ça m'énerve. Je veux pas. Encore un truc qui se met. Je plonge et je relève. Elle est en train de se former. C'est passionnant. C'est long. Aïe.
Et il fait chaud là. Ça commence. Et comment ça se forme? Comme il faut attendre que ça sèche, afin que ça durcisse, c'est pas évident. Bon, ben on va la laisser comme ça. Je vais faire l'autre côté. Sens que je vais la prochaine mois. Voilà. Oh, il serait moins chaud. Bon. Je crois que je vais insister sur l'autre. Parce qu'elle n'est pas assez grosse. De se consolider. J'attends qu'elle refroidisse. Pas beaucoup dans le truc, donc c'est pas évident. Elle est jolie. Il faut attendre que ça sèche. On va attendre 5 minutes. C'est bon, je fais l'autre côté. Et on fait l'autre côté. Et un début de boule.
un meilleur début de boule, donc il faut que je laisse sécher. C'est bon à refroidir. Le problème, c'est que ça fond et la boule, elle a du mal à se faire. Peut-être enlever la scie en trop. Voilà. Je crois que c'est bon là. On va attendre que ça durcisse. Puis je vais le mettre là. Hop là. On y va. Ça fait direct une boule là.